À chacun, je veux adresser un message d'espérance, un message de foi dans la vie et dans l'avenir. Je voudrais convaincre même celui qui en doute qu'il n'y a pas de fatalité du malheur. Au milieu des joies et des peines que l'existence réserve à chacun d'entre nous, nous pouvons, par l'effort de tous, bâtir une société où la vie sera plus facile, où l'avenir pourra être regardé avec davantage de confiance. Ralentissement de la conjoncture, urgence du pouvoir d'achat, urgence de l'autonomie des universités, urgence de réformer les régimes. Choisi pour présider aux destinées de notre pays, j'ai voulu tout mettre en œuvre pour tenir la promesse que je vous avais faite de vous rendre la fierté d'être français et de vous donner le sentiment que dans notre vieux pays, tout pourrait devenir possible. Comme ça, il met la France droit dans le mur, et que s'il continue comme ça, on s'en va à une guerre civile. Et que j'ai 79 ans, et que j'ai toute ma tête, et que j'ai... Et la vie pour moi, et ben alors, que j'ai que 10 000, même pas, pour l'année, pour manger. Il faut se payer. Mon loyer, l'électricité, le gaz, le téléphone, une mutuelle, et la taxe d'habitation. Qu'est-ce qu'on fait avec même pas 10 000 euros par an? Que moi, je voudrais bien avoir ces 25 000 euros. L'énergie que je sens aujourd'hui au Bourget, nous allons la faire partager par la France. Cette force que j'ai en moi, je vais vous la donner. Cette volonté que j'éprouve, je vais vous la dédier. Cette confiance qui m'appartient, je veux vous la faire partager. Si nous ne mettons pas au cœur de la politique le souci de l'intégration, de la diversité, de la justice, des droits de l'homme, de l'environnement, si nous ne retrouvons... Je ne crois pas à la brutalité comme méthode de gouvernement. Je crois que mon rôle, c'est de convaincre et de rassembler, non de heurter, et de diviser. Le peuple français est un grand peuple qui a une grande histoire et qui s'est levé pour dire sa foi en la démocratie. Le service de la France, c'est un devoir.
Le 6 mai, il n'y a eu qu'une seule victoire. Celle de la France qui ne veut pas mourir. Celle de la France qui veut l'ordre, mais qui veut aussi le mouvement. Qui veut le progrès, mais qui veut la fraternité. Qui veut l'efficacité, mais qui veut la justice. Qui veut l'identité, mais qui veut aussi l'ouverture. Le 6 mai, il n'y a eu qu'un seul vainqueur. Le peuple français. Le peuple français qui est grand parce qu'il ne veut pas renoncer. Parce qu'il ne veut pas se laisser enfermer dans l'immobilisme. Parce qu'il refuse le conservatisme. Le peuple français qui ne veut pas que l'on décide à sa place et qui, par-dessus tout, ne veut plus que l'on pense à sa place. Eh bien, cette France qui veut continuer à vivre, à ce peuple qui ne veut pas renoncer. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France. Au service de la paix et de l'équilibre du monde, au service de ceux qui souffrent, des enfants et des femmes martyrisés, des persécutés, de ceux qui attendent au fond de leur prison que la France parle et agisse pour eux.